Nous sommes tous entièrement responsables de chacune de nos expériences. Chacune de nos pensées crée notre avenir. Le pouvoir réside toujours dans le présent. Nous souffrons tous de culpabilité et d'un manque d'amour pour nous-mêmes. Nous pensons tous au fond de nous, je ne suis pas assez bien. Ce n'est qu'une pensée et une pensée peut être changée. Le ressentiment, la critique et la culpabilité exercent en nous l'influence la plus négative. Se délivrer du ressentiment vient même à bout du cancer. Si nous nous aimons réellement, tout va bien dans notre vie. Nous devons nous défaire du passé et pardonner à tous. Nous devons apprendre à nous aimer nous-mêmes. L'approbation et l'acceptation de soi sont les clés d'un changement positif. Nous créons toutes nos maladies physiques. L'univers infini dans lequel je me trouvais complet et parfait, quoique ma vie évolue constamment. Il n'existe ni début ni fin, mais seulement un cycle éternel de substance et d'expérience. Rien dans la vie n'est statique, car chaque instant se manifeste par sa nouveauté et sa fraîcheur. Je suis un avec la puissance qui m'a créé et m'a donné le pouvoir de créer mes propres expériences. Je me réjouis de savoir que je suis le maître de mon esprit. Chaque instant de la vie est un nouveau départ et nous démarque du passé. Ce moment même est un point de départ pour moi, ici et maintenant. Tout est bien dans le monde qui est le mien. Ce que je crois, l'univers infini dans lequel je me trouvais complet et parfait. Je crois en une puissance qui m'est infiniment supérieure, qui m'habite à chaque instant du jour. Je m'ouvre à la sagesse intérieure, sachant qu'il n'existe qu'une intelligence dans cet univers. De cette intelligence émanent toutes les réponses, toutes les solutions, toutes les guérisons et toutes les nouvelles créations. J'ai confiance en cette puissance et intelligence, car je sais que tout ce que je dois connaître me sera révélé et que tout ce dont j'aurai besoin me sera donné en temps et lieu voulu. Tout est bien dans le monde qui est le mien. Une session avec Louise. L'univers infini dans lequel je me trouve est complet et parfait. Je suis toujours guidée et protégée par une force divine. Je peux regarder en moi en toute sécurité. Je peux regarder mon passé en toute sécurité. Je peux élargir ma vision de la vie en toute sécurité. Je suis beaucoup plus que ma personnalité, présente, passé ou à venir. Je choisis maintenant de dépasser mes problèmes personnels afin de reconnaître la magnificence de mon être. Je suis totalement désireux de m'aimer. Tout est bien dans le monde qui est le mien. D'où vient ce problème? L'univers infini dans lequel je me trouvais complet et parfait. Le passé n'a pas de prise sur moi, car je suis décidée à apprendre et à changer. Je considère le passé comme nécessaire à mon évolution. Je suis décidée à commencer dès maintenant mon nettoyage mental, peu importe par où je débute. C'est pourquoi je commencerai par ce qui m'est le plus facile. Ainsi, je pourrai obtenir rapidement des résultats. Cette aventure me passionne, car je sais qu'elle est unique. Je suis décidée à gagner ma liberté. Tout est bien dans le monde qui est le mien. Est-ce vrai? L'univers infini dans lequel je me trouve est complet et parfait. Je choisis de renoncer à mes pensées négatives. Je choisis maintenant de me voir comme l'univers me voit, complet et parfait. La vérité de ma personne est que mon être a été créé complet et parfait. Je suis maintenant complet et parfait. Je le serai toujours. Je décide de vivre à la lumière de cette compréhension. Je me trouve au bon endroit, au bon moment, et mon action est juste. Tout est bien dans le monde qui est le mien.